Bonjour. Bonjour. Alors, un exercice à faire en couple. En deux parties. Donc, la première partie, l'idée, c'est de se déplacer en déambulant dans une pièce et de chercher à croiser votre partenaire. Sauf que quand on se croise, au dernier moment, on s'évite. Voilà. Et on circule, on circule. Et quand on arrive à se croiser, hop, on doit s'éviter au dernier moment, on ne peut pas se toucher. Mais parfois, on va tous les deux du même côté. Donc il faut arriver. Soyez attentifs aussi si c'est par exemple. Vous voyez ? Si c'est toujours la même personne. C'est toujours le même qui évite. Ou est-ce que, par exemple, une cherche toujours à éviter ? Parce que c'est dans les deux sens. C'est est-ce que je suis toujours celui qui avance ? Voilà. Et puis l'autre d'abord va se débrouiller. Mais est-ce que je peux aussi choisir, ben, dire voilà ce coup-ci j'avance, et puis c'est l'autre qui va éviter. N'est-ce pas, Gwen? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as remarqué que pour le moment, à chaque fois, tu cherches à éviter? Oui, oui, c'est plus à éviter. Encore! Donc, à un moment donné, de regarder comment vous fonctionnez et essayer de vous autoriser à justement tester les différentes solutions. Il est très bien ton exercice, Gwen. Oui, parce que c'est son exercice. Même si c'est moi qui cause. Beaucoup. Parce que moi, blabla, blabla. Bla, bla. Voilà. Donc, voilà. L'idée est de le faire plutôt dans le silence et en regardant bien la personne. Voilà. Petit exercice tout simple. Première partie ou... Voilà. On va dire premier exercice. Il y aura sûrement un deuxième exercice. Bonne fin de journée. Au revoir. Tu peux causer quand même. C'est toujours moi qui cause. En fait, bien évidemment, dans le couple, comment chacun trouve sa place et s'autorise à s'exprimer, y compris par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses, Gwen? Il y a du boulot. Il y a du boulot, hein. Après, c'est est-ce que je ne m'exprime pas parce que l'autre ne me laisse pas beaucoup d'espace, avant de savoir. Ou parce que... Il m'a l'air de prendre sa place aussi. Ah, d'accord. Donc comment, à un moment donné, ben, c'est aussi un petit exercice qui permet peut-être de travailler sur un rapport à je prends ma place, et quand je suis mon chemin, est-ce que c'est moi qui fais toujours les concessions? Ou est-ce que parfois, ben voilà, c'est une harmonie et les deux, ben ok, hop. Et puis, ben, il y a des moments donnés à chacun de dire « Non, non, là, ce que je fais, je suis sur ma voie et je suis. » Au pire, ça va faire quoi? Boum. Plutôt sympathique.